Annoncé il y a quelques semaines, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le FEMUA, a effectivement démarré ce mercredi. Cet événement, initié par le groupe Magic System, a enregistré la présence des autorités municipales venues soutenir Asalfo et son groupe. Pour les leaders du groupe Asalfo, il s'agit certes d'apporter de la gaieté à la population d'Anoumambo, le village qu'il a vu grandir et forger son talent d'artiste, mais surtout de poser des actions sociales dont la plus importante est la remise des clés d'une école maternelle aux 10 villages. Une école construite avec l'appui financier d'institutions internationales. Nous avons eu la chance avec notre partenaire La Rentrée de Cœur de pouvoir mettre en place une école maternelle que nous allons offrir au village ce vendredi. Et puis côté santé, nous avons aussi un autre partenaire qui est l'UNICEF qui a accepté de nous accompagner avec des dons de médicaments aux populations. L'école sera offerte au village d'Anoumambo et les médicaments seront offerts à la commune de Yopougon. Une émission de Radio France Internationale, la RFI, animée par Claude Issiard, a entre autres meublé cette première soirée du FEMUA. Le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, c'est aussi des prestations d'artistes de renommée internationale. Le FEMUA va prendre fin le dimanche 6 avril prochain.